The Luxembourg NGO ADA, in partnership with the PSFD Senegal, organized the second edition of the African Microfinance Week on behalf of the network AMT of Mine Africa in mind. This edition was supported by the Senegalese government and the Great Duchy of the Luxembourg. The event, which welcomed over 500 participants, took place at the King Fahd Plaza Hotel in Dakar from June 29 to July 3, 2015. The topic of the conference was innovating to accelerate rural finance in African various personalities from the inclusive finance sector. Representatives of African state and private authority were also present. The ceremony was officially opened by Sir Moustapha Diop, Senegalese Minister in charge of the microfinance and the interdependent economy. The Minister inaugurated the ceremony after having raised the importance of the new technologies in the acceleration of the rural finance. Mesdames, Messieurs, vous me permettez, à la suite du partenariat global pour l'inclusion financière, de lancer un appel pour que les habitants du Sud puissent bénéficier à grande échelle une offre de transactions électroniques qui réduit de manière drastique les coûts d'accès aux services financiers. Il s'agit de les doter de l'infrastructure technologique requise, de renforcer les capacités techniques des prestataires de services financiers, de mettre en place un cadre juridique favorable, mais aussi d'investir dans l'éducation financière des populations. Le gouvernement du Sénégal, pour sa part, reste convaincu que la génération du paiement électronique au fonctionnement des économies des pays émergents et en développement constitue une réponse durable au développement d'une croissance pro-pauvre, à l'autonomisation économique et financière des populations, à l'amélioration de la transparence financière. The Luxembourg Minister for Development Cooperation and Humanitarian Affairs, Mr. Roman Schneider, reiterated his government's commitment to development support. Avec 1% de notre revenu national brut investi en aide au développement, le Luxembourg reste convaincu de l'importance cruciale de l'APD, notamment dans les pays les moins avancés et comme effet de levier d'autres sources de financement bien plus grandes. Il s'agit de créer des leviers de résilience auprès des populations rurales les plus pauvres, en leur fournissant les moyens propres pour se développer et d'avoir accès à une vie digne. Un de ces leviers est sans aucun doute la microfinance, qui rend plus accessibles les premiers investissements de base pour démarrer une activité économique. Elle permet aux petits agriculteurs d'acheter l'équipement agricole, aux menuisiers de financer l'achat du bois et aux vendeurs de fruits et de légumes de transformer leurs produits. Thank you very much for your attention and have a good summer. Thank you. This ceremony was also the opportunity for the president of AFMIN and of the IPSFD to underline the relevance of the topic and express their satisfaction on the fact that Senegal was the host country of the SAM. They warmly thanked all the partners and participants of the event. En décidant d'organiser cette deuxième édition de la SAM autour de ce thème innover pour accélérer la finance rurale en Afrique, les initiateurs veulent que les préoccupations en matière de finance rurale des gouvernements des pays africains soient bien prises en compte à travers des modèles financiers adaptés aux agriculteurs à petite échelle. Following this, the director of City Foundation Senegal réaffirmed their engagement in the development of the microfinance sector. City, en tant que l'une des plus grandes banques internationales au monde, compte jouer sa partition et donc participer à la mise en place de financements innovants de manière à pouvoir faire des prêts au plus grand nombre et donc promouvoir l'inclusion financière sur le continent. C'est justement dans ce cadre-là que récemment, au mois d'avril, City Sénégal a fait un prêt de 2,5 millions de dollars à un institut de microfinance au Sénégal. The managing director of the European Investment Bank insisted on the need for equipping the rural world with basic infrastructure. Non seulement la finance est nécessaire pour qu'on arrive à l'inclusion
la population la plus pauvre, mais il faut l'accompagner également par d'autres mesures, d'autres interventions, notamment des mesures d'accompagnement dans l'infrastructure de base, pour faciliter notamment le déplacement et l'accès de la population rurale. The representative of EcoBank, Floyd Sweet, and stressed the importance of strengthening rural finance. Founders of EcoBank set out a dual purpose. First is to build a world-class Pan-African bank, and secondly, to contribute to the development of Africa. It is that second point that is the basis of the keen interest of EcoBank in microfinance, because in Africa, about 60% of the GDP of Africa is actually provided by people within the low-income earning groups, particularly in the agri sector across our various countries. They are sometimes referred to as bottom of the pyramid, but we refer to them as the future of Africa because they carry the continent and they ensure that the continent has a future. And that is why EcoBank is very keen to partner with them, provide the capability for them to realize their potentials and therefore realize the potentials of Africa. The introduction to the conference topic led to take stock on the current state of agriculture and the rural world in Africa. Mr. Lick van der Weij, the moderator, provided some key figures on the state of the world financing of agriculture. Juste peut-être quand même quatre chiffres clés pour camper le décor. 570 millions d'exploitations agricoles aujourd'hui dans le monde, selon la FAO, dans son dernier rapport 2014, sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. Plus de 90% de ces exploitations agricoles sont gérées par un individu ou une famille. Et 410 millions de ces exploitations ont une taille de 1 hectare. En Afrique subsaharienne, 80% des terres agricoles sont gérées par des petits agriculteurs. Et enfin, 17 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail en Afrique. The first plenary session focused on innovating to accelerate rural and agricultural finance in Africa. The moderator of the panel stresses the fundamental aspect for which were being developed. C'est ce qu'on appelle le financement aujourd'hui digital. Et comment on peut prendre en compte les nouvelles technologies pour accélérer le développement du monde rural. Mais ça, c'est un point que moi, j'ai vraiment retenu de ce panel où vous avez vu le représentant de la banque commerciale EcoBank notamment, la Banque européenne d'investissement, tous ont mis l'accent sur les technologies nouvelles, la banque mobile, le digital finance, comment ça peut contribuer à faire en sorte que les agriculteurs, les producteurs ruraux puissent vraiment produire davantage et dans les conditions qui leur permettent de pouvoir accéder au marché. The plenary dedicated to the new strategies for financing social and entrepreneur in rural environment brought about exchanging on the available means for public and private institutions to better support these entrepreneurs. The president of AFMIN insisted on the implementation of the value chain finance approach. On s'est rendu compte que les IMF qui ne font que du crédit seul ne peuvent pas aller. Les partenaires financiers aussi qui ne financent que les besoins de financement, ça ne pourrait pas aboutir à des résultats. Et il faudrait faire en sorte que la prochaine de valeur puisse être mise en avant. Veiller à ce que dans les différents maillons de la chaîne, que les modes d'intervention soient articulés pour que, in fine, l'approche soit vraiment très innovante. The last plenary involved the four African microfinance networks of and focusing on their role in boosting rural finance in Africa. For this purpose, the representative of Africa explained that developing synergies
between networks would allow them to reach this dynamic. La microfinance, par exemple, au Sénégal n'est pas la même qu'en Afrique du Sud, n'est pas la même qu'en Afrique, au Kenya, n'est pas la même que, je ne sais pas moi, en Afrique centrale. Donc nous essayons de créer ces synergies-là pour que les membres soient capables d'apprendre les uns des autres sur les meilleures pratiques, quelles sont les innovations qui ont par exemple été développées au Sénégal et les autres qui ont été développées dans les autres pays. Et à travers ça, ces institutions sont capables de repartir dans leur pays respectif ou dans leur institution et développer des produits innovants pour les institutions pour lesquelles elles travaillent. Parallel to this session, a networking area was dedicated to the sponsors, allowing them to export their product and to exchange with the participants of SAM. Breakdown sessions were organized after every plenary. This meant that participants could choose which session to attend according to what topic interested them the most. The session relating to the reinforcement of the IMF is intervening in the rural world was the ground of interesting exchanges. En assurance agricole, on parle beaucoup d'innovation et justement l'assurance indicielle est une innovation qui permet d'apporter une couverture d'assurance agricole aux petits agriculteurs. C'est vraiment l'objectif de les aider à gérer leurs risques, à se protéger contre les risques climatiques et autres risques que l'on trouve dans l'agriculture. Et donc l'innovation qu'il faut, outre l'assurance indicielle elle-même, sur laquelle on réfléchit déjà beaucoup du point de vue technique, financier, etc., c'est justement de réunir les divers partenaires de la chaîne de valeur agricole, y compris les IMF, pour réfléchir ensemble à comment on va trouver des schémas qui permettent à l'expansion de porter l'assurance agricole à l'échelle, en associant les IMF, en associant les acteurs de l'agroalimentaire, en associant les opérateurs tels que Aker et Planète Garantie, des courtiers de micro-assurance. The session on innovative financing mechanisms for rural areas encouraged exchanges on various alternatives of financing. Le crowdfunding, c'est quoi? Encore appelé financement participatif ou bien financement par la foule, le crowdfunding permet de mobiliser des individus principalement via Internet afin que ces personnes puissent financer des projets avec de petites sommes. Si je prends par exemple un projet qui nécessite 5 millions, grâce au financement participatif et avec des apports de 500 francs par exemple, cette personne peut rapidement lever le fonds en moins de 24 heures, 48 heures. Donc, malgré que le concept est encore naissant et innovant, qui n'a pas encore pris ses pieds au niveau de l'Afrique, elle connaît quand même une croissance exponentielle et les chiffres nous le montrent. De 2010 à 2015, nous sommes passés de 854 millions à 20 millions de francs, 20 millions de dollars, pardon. As for the topic, how to sustainably develop appropriate and accessible financing for young farmers, Mrs. Betty Wampler stressed that. Alors, dans l'atelier, nous sommes revenus d'abord, enfin nous avons introduit l'atelier par une petite réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire que créer les conditions pour des installations durables pour des jeunes agriculteurs. Donc ça veut dire d'abord que ce jeune agriculteur, il doit avoir un projet, donc un système de production qui va pouvoir nourrir sa famille. Et pour pouvoir le mettre en place, eh bien, ce projet, il va avoir besoin de compétences, donc de formation. Il va avoir besoin de foncier, il va avoir besoin de financement, il va avoir besoin de conseils agricoles, il va avoir besoin d'accompagnement par rapport à l'entrée dans le marché, d'accompagnement professionnel aussi dans le cadre professionnel. Donc un ensemble de conditions qui, si elles sont réunies, peuvent participer à lui donner envie de construire sa vie en agriculture. Et donc, dans ce contexte-là, l'accès au financement est un de ces éléments de conditions très, très importants pour que ces installations puissent avoir une chance de durer. Et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que l'accès au financement reste très difficile aujourd'hui pour les jeunes agriculteurs.
Society organized its traditional microfinance investor fair. It was the perfect occasion to gather African MF, microfinance investors active on the continent, support organizations of support and technical assistance providers. More parallel sessions took place on the link between producer, organization, and rural financing institution. The reflection focused on the possibility that this system is prospect for the financing of family exploitation. L'OP doit constituer une part de ces fonds de garantie. Ensuite, je puis comprendre que le client aussi, hein, pour le moment, vous êtes en train de demander au client de payer aussi une partie de ce fonds de garantie là-bas. En principe, le fonds de garantie, c'est pour sécuriser l'institution, hein, n'est-ce pas? Non, le principe est effectivement que, en gros, OADA pour les coopératives non SFD, et que la loi de 2007, en tout cas pour l'UMOA, régit les coopératives SFD. Les SFD, y compris les coopératives SFD. Mr. Sam Koli animated the session on the digital financial product. Encore faut-il penser à comment desservir ces populations de façon responsable, c'est-à-dire qu'il faut préserver les intérêts de ses clients en termes de transparence au niveau des commissions. Quelles sont les commissions qu'ils payent lorsqu'ils veulent déposer de l'argent sur ce portefeuille électronique? Et au moment de le retirer, quels sont les frais et les commissions qu'ils devront payer? Et donc, je pense que cet écosystème au complet qui fera qu'éventuellement que le mobile banking sera effectivement un outil important pour desservir, en tout cas, participer à une meilleure inclusion financière en Afrique subsaharienne. The session on the role of best practice in risk management in terms of innovative rural finance offered a good insight on this complex topic. The role of social business in the development of agricultural value chain was also at the heart of the debates. Parce qu'on a parlé de modèle business social. Est-ce que dans le montage de ce modèle, le social est déjà intégré dans un cadre cohérent? Je m'explique. On a parlé de social, mais c'était à travers des exemples. On peut faire de la formation, on peut faire du renforcement de capacité. C'est en amont ou c'est par à-coup? C'est ma question. Quand on dit social business, tout le modèle est intégré en social business. C'est-à-dire que l'entreprise elle-même est une entreprise qui intervient dans un secteur ou une activité qui a son importance au niveau local. Tout le montage est compris, c'est-à-dire du montage financier, l'argent qu'on apporte. Quand la Fondation Grameen Crédit Agricole apporte de l'argent en capital et en quasi-capital, il n'est pas là pour dire « je veux un TRI de 30% comme les autres investisseurs ». Il est là pour dire « j'apporte cet argent pour créer une valeur ajoutée, pour construire une entreprise qui elle-même va avoir un modèle social business ». Le modèle social business, ça veut dire « je n'achète pas du lait, oui, je vais acheter du lait un peu local, je vais acheter du lait aussi sur les grands marchés parce qu'il faut que j'ai du lait sous la main quand les producteurs ne peuvent pas m'en fournir ». Je vais prendre le cas du paddy, je vais acheter du paddy chez les producteurs locaux. Donc voilà, on est vraiment dans un modèle qui est intégré. Je transforme au niveau local et si je peux, mon marché est aussi au marché local ou dans la sous-région. Ça, c'est vraiment important dans tout ce concept. Et pour le réussir, pour le faire, on est obligé de mettre en place ces programmes de formation avec ces producteurs parce que leurs problèmes sont les nôtres, encore une fois. Donc, ce n'est pas des choses qu'on fait à coup pour faire de la publicité. Ce n'est pas des choses qu'on fait à coup parce qu'on a une mauvaise conscience. C'est des choses qui font partie tout simplement du modèle. Et si on veut que le modèle fonctionne, on est obligé, nous aussi, de nous prêter au jeu. La Fondation Grameen Crédit Agricole va jusqu'à faire des subventions en plus pour financer ses programmes et ses projets au-delà de l'investissement qu'il peut apporter à l'entreprise sociale business elle-même parce que sans cette partie, le modèle n'est pas possible. It was a good opportunity for the contractors to share their business models. Mr. Bragore Bachelet explained.
distinction essentielle, c'est ça. À quoi on utilise le modèle d'entreprise? À quoi on utilise l'efficacité de notre organisation, éventuellement le capital qu'on réussit à lever ou l'argent qu'on génère? À quoi on utilise ça? Nous, à la Laiterie du Berger, on a pris le parti d'utiliser notre organisation au service de la mise en place de la filière locale. Donc de ce point de vue-là, c'est un intérêt qui est communautaire. The Innovation Fair was one of the highlights of the theme. It was an opportunity for innovators in rural finance to showcase their product. Four panel sessions also took place, answering to what are the approaches of the National Fund to finance the agriculture world. Representative of the fund could present their funding mechanism. The session on the challenges of the bank and the investor to finance agriculture was quite as interesting. The representative of OK Credit reconsidered the challenge with which they are confronted. Je vais plutôt parler des défis auxquels nous pouvons répondre, nous en tant qu'institution OK Credit. Donc on a quelques-uns qu'on a identifiés et sur lesquels on apporte un certain nombre de solutions en ligne avec notre stratégie de financement du développement plus. On a une stratégie à OECO Crédit qui consiste à joindre l'assistance technique et le financement. The topic of warranty was also touched upon. While drawing lessons learned on financing, the exchange between panelists and participants animated the meeting. On débute le warrantage. En fait, ce qui serait intéressant pour moi, c'est de savoir sur les différentes étapes qui ont été présentées, quels sont effectivement les différents problèmes rencontrés, que ce soit en termes de sensibilisation de l'OP, même au niveau de l'organisation de l'OP, de sa constitution, de sa forme juridique, la relation entre l'OP et l'institution financière, et quelles sont vraiment les difficultés sur lesquelles il faudrait quand même faire attention pour ne pas, pour quand même que cette introduction de warrantage puisse être réussie. Je vous remercie. C'est que au niveau du marché, j'ai comme l'impression que les gens commencent à comprendre l'opération warrantage. Et donc, plus on arrive à faire les périodes de dénouement, alors les prix changent souvent. Ou les acteurs, ils interviennent sur les marchés pour faire casser les prix. Donc, au moment où les déstockages doivent arriver, les prix, ils descendent. Donc, il faut vraiment beaucoup de stratégies en termes de suivi des prix pour pouvoir pallier à ça. L'autre chose aussi, c'est les opérations prix modérées que l'État organise, souvent à la même période où on doit faire les déstockages. Donc, à la même période où tout doit sortir, l'État amène des produits sur les marchés qui sont beaucoup moins chers. Donc ça aussi, pour y pallier, il a fallu qu'on mène des stratégies vers les pays frontaliers, notamment le Nigeria, où les produits qui sont mis en warrantage sont les plus prisés. Et en ce moment, on organise l'achat groupé. Donc c'est toute une chaîne aussi. The first breakdown session focusing on related ecological topic, green microfinance in Africa. The panelists exchange their on the track of future partnership. The two-day conference, the organizer of SARM drew up the conclusion of the event. Mr. Van der Wijn made a summary of the main points that came out of the 2015 SARM. La finance ou la microfinance ne peut pas tout faire. Toute seule, ce n'est pas elle qui pourra réduire la pauvreté des populations rurales en premier lieu, et ce sont celles-là qui sont les plus importantes en Afrique. Il faut de l'accompagnement, il faut d'autres produits. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est que chacun qui opère de manière isolée dans son coin, que ce soit des opérateurs techniques ou financiers,
ont peu de chances de peser sur le développement et sur la réduction de la pauvreté, qui est quand même un objectif majeur du secteur intermédiaire de la microfinance. Donc il faut beaucoup plus de synergie, de concertation entre tous ces acteurs pour permettre d'avoir un effet de levier important sur la réduction de la pauvreté. To finish, the participants delivered their impressions on SAM 2015. C'est une belle réussite. Au niveau des sujets, on a parlé beaucoup des points les plus importants. Et puis, il y a eu beaucoup de monde de différents pays. Et je crois que tout le monde va emporter quelque chose avec lui qui l'aide à avancer plus vite et mieux. La SAM 2015 particulièrement réussie. Déjà au niveau de la participation, je trouve remarquable de pouvoir réunir toute une semaine ici à Dakar plus de 500 participants qui viennent de, je crois, 40 pays différents. Donc des praticiens, des académiques, des banquiers, des bailleurs de fonds, des réseaux. Donc un grand mix d'acteurs différents. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et puis là aussi, même aujourd'hui, au niveau de la foire aux innovations, on voit qu'il y a aussi beaucoup de propositions en termes de solutions d'innovation technologique qui sont présentes. Donc c'est un bon mélange de différents acteurs qui cherchent à apporter des nouvelles solutions pour faire évoluer la finance inclusive, et c'est très, très prometteur. A very well-run event. We've met a lot of good companies. We've learned a lot in terms of the trainings and different things that we need to consider in this industry. And I think it was very well organized. So well done to the organizers. And I'm looking forward to the one next year. Yeah. Aujourd'hui, pour moi, c'est une première expérience donc en Afrique et donc à Dakar. Et je trouve que l'idée d'avoir participé à cette semaine est une excellente idée dans la mesure où ça a été une semaine très réussie, où j'ai eu l'occasion, le plaisir de rencontrer nos amis africains de différents pays, notamment anglophones et aussi bien francophones. Nous avons échangé beaucoup d'idées entre nous et ça a été aussi une rencontre avec les différentes institutions financières donc de microcrédit pour l'investissement. Donc d'ailleurs aujourd'hui c'est une journée qui a été consacrée à ça. Et donc nous avons vu un peu les conditions et nous avons vu aussi l'engagement de l'ensemble donc vers le microcrédit, le développement du microcrédit aussi dans l'Afrique et je dirais dans l'Afrique dans son intégralité, y compris au Maghreb. Donc c'est une semaine très réussie et merci aux organisateurs et j'espère assister à la prochaine également. Voilà. Action, making finance work.